Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Bon, comme vous avez pu voir aujourd'hui, petit déballage, on a quelques petites choses à voir. On a 2-3 petites pop et une petite ball Pokémon aujourd'hui à ouvrir. Mais avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ce petit carré qui ressemble à ceci que vous trouvez en bas, d'activer la petite cloche des notifications pour savoir quand je mets mes prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de partager, de liker, de commenter et puis allez, c'est parti, générique. Bon, on va tout de suite commencer, on va pas traîner en fait, hein. Allez, on va commencer tout bêtement par les petites pop. Alors j'en ai deux sur l'univers de Star Wars, et il y en a une, c'est une spéciale pour madame parce qu'elle l'a adorée. Donc je vous dirai après ce que c'est. On va commencer par les deux de Star Wars. Alors c'est pas sur l'univers direct de Star Wars, c'est les à côté. Comme vous avez pu constater, il y a quelques temps, ils ont fait une nouvelle série sur l'univers Star Wars qui est The Mandalorian. Et évidemment, j'ai pu en avoir une ou deux. Donc déjà, la première que j'ai pu avoir, le Mandalorian avec Grogu. Voilà, comme ceci. Donc je vais tout de suite vous la déballer. Hop là. Ah, et puis en plus, c'est un peu les bubbles, parce qu'ils ont la tête qui bouge. Quand on tape, ça revient. Donc franchement, elle est fort sympathique. Bon après, voilà, c'est une petite pop, c'est pas tout à fait celle que je préfère avec la tête qui bouge. Mais elle reste franchement super cool. Donc voici le Mandalorian avec notre petit ami Grogu, qui est fort sympa. Comme vous pouvez voir, elle est vraiment chouette. On peut voir son jetpack dans le dos, vraiment... Des Mandalorian, désolé. Et il a une petite finition sympa, on voit bien son armure qui est sympathique. Et évidemment, le petit Grogu, et comme je vous ai dit, la tête, voilà, qui bouge. Hop. Alors ça, on va la remettre de suite dans son petit paquet. Et la deuxième, on reste à peu près... identique. Dans la fin de la dernière saison, on peut voir Luke Skywalker venir chercher Grogu, et voilà, j'ai réussi à voir Luke Skywalker avec notre cher ami Grogu. On peut encore avoir plusieurs, on peut avoir encore il y a aussi Ahsoka, il y a les Dark Troopers, voilà, il y en a encore plusieurs. Donc j'ai pris vraiment celle qui m'intéressait le plus. Alors hop. Alors, est-ce que ça reste la même chose? Oui, c'est le même principe. Nous avons aussi la Bubble Aid, parce que voilà, notre petit Luke Skywalker avec notre petit ami Grogu. Voilà. Ici. Elle est sympa, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà. Bon, il est vraiment tout vêtu avec sa cape. Et nous avons le petit Grogu dans ses bras. Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais elle est vraiment chouette. Ensuite, on reste toujours... Non, on reste plus du tout. On change de registre. Nous allons chez Pixar. Voilà, il y a quelques temps maintenant, ils ont sorti le film Buzz l'éclair Lightning. Et j'ai pu avoir une petite pop sur cet univers. Le petit chat Sox. Voilà. Donc voici le petit chat. Alors dans la même collection, on peut avoir Buzz Lightyear. Dans deux combinaisons différentes. On peut avoir le Easy. Et puis on peut avoir aussi Zurg. Voilà. Alors, voyons voir notre petit ami Sox, la tête qu'il a. Ah, il est sympa avec sa petite... Voilà, c'est une petite pop, sympa. Il n'y a rien de folichon, mais on peut voir sa petite plaque avec son petit nom, voilà. C'est un petit chat. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas trop ses articulations mécaniques comme on peut voir dans le film, mais sinon, elle reste fort sympa. Alors, hop.
Donc voici, nous avons fini notre partie pop à proprement dit. Donc maintenant j'ai pu obtenir ceci, une petite Pokéball. J'en ai déjà fait une fois. Dedans on a des petites cartes, 2-3 trucs sympathiques. Donc on va pas traîner, on va ouvrir, on va voir ce qu'on chope. Parce que la dernière fois quand j'ai fait un petit déballage de booster, j'ai eu 2-3 cartes fort sympas. Donc on va voir ce qu'on a cette fois-ci. Alors hop. Là donc maintenant on appuie et on essaie de l'ouvrir. Voilà, ça c'est chose faite. Alors nous avons de nouveau un petit truc pour voir des avantages, des petits cadeaux dans Pokémon Go. Nous avons un petit autocollant de... c'est quoi? C'est Electek si je ne me trompe pas. Et nous avons aussi un petit autocollant de Bulbizarre. Voilà. Donc nous avons combien? 3 petits boosters. Voilà. Donc on va pas traîner, hein. On va les ouvrir directement. D'habitude je vous filme devant, mais là on va essayer de faire un petit peu différent parce que voilà, voilà hein. Bon, alors on va commencer. La première, nous avons un petit Onyx, hein, rien de folichon, mais elle est sympa. Après, nous avons un petit Meltan. Nous avons un petit, je sais plus le nom, Castorno, voilà, c'est ça. Elle est sympa. Nous avons un petit Magikarp aussi, voilà. Qui paye rien, qui dit rien. Nous avons un petit Capumain. Nous avons, après, je vais essayer d'envoyer, c'est un petit module leurre, mais qui est fort sympa. Et, hop, elle est où? Je me suis trompé, parce que j'aurais dû la mettre de l'autre sens. Et nous avons, évidemment, cette fois, nous avons chopé un petit Loclass. Voilà. Et ensuite, sinon, nous avons rien de bien passionnant. Non, voilà, il n'y a rien du tout, à part... Si, à la rigueur, nous avons aussi un petit Stelix qui était dans le paquet. Mais bon, voilà. C'est pas la meilleure. La meilleure reste quand même le Loclass. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Ensuite, voyons voir. Qu'est-ce que nous avons encore de beau? Hop. Essayez pas d'en mettre partout, c'est très bien. Hop. Je vais essayer de les trier un petit peu, comme ça sera plus simple pour que vous puissiez les voir. Alors, je vais enlever ceci qui ne me sert à rien. Hop là, là vous voyez la carte de dos Pokémon. Alors la première c'est un Meltan, voilà, on a déjà eu. Ensuite nous avons un petit Evoli, c'est pas mal aussi. Nous avons un petit Pikachu, je sais pas si j'en ai déjà eu une, mais bon voilà, c'est sympa. Nous avons un petit Carapuce, une petite Mimigale. Ah franchement celle-là elle est chouette. Nous avons un Bulbizarre, voilà, et en plus elle est spéciale, donc elle est vraiment chouette. Donc je vais directement la mettre de côté, voilà. Et ensuite nous avons, donc celle-là je vous l'ai déjà montré. Ah, et la dernière nous avons un petit l'euphorie, voilà, où elle est franchement sympa, vraiment cool, voilà, là de côté. Donc on attaque le dernier petit paquet, hein. On va pas hein. On n'a pas 36 000 pas. Je sais que j'ai un gros paquet de boosters de nous encore sur l'Arceus, faudra que je l'ouvre bientôt. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu de beau là-dedans? Alors, hop, j'ai déjà enlevé tout ce qui n'a pas besoin. Tout ce qui est, voilà, carte d'énergie, les trucs dans ce style, on n'en a pas vraiment besoin. Hop, hop. Et ça, c'est quoi? C'est là-dessus. Donc ça, je peux l'enlever. Et ça sera les dernières. Bon, on va faire comme avant, je vous montre le côté carte Pokémon, parce que vous n'avez pas besoin de voir pour l'instant de l'autre côté. Alors, nous commençons. Nous avons un petit Celeroc. Voilà, c'est sympa. Nous avons de nouveau un petit Bulbizarre. Nous avons un petit Salamèche. Nous avons un petit Evoli, qui est sympa. Nous avons un petit Chamallow. Et nous avons un petit Rattata d'Aola. Franchement, quelle est chouette. Ah, celle-là, elle est cool. Alors, c'est pas une carte Pokémon à proprement dit. Mais nous avons Spark. Voilà. Elle est vraiment chouette. En plus, elle est aussi en holo. Elle est vraiment chouette. Nous avons un petit Flagados. Et nous avons à la dernière, qui est fort sympathique, c'est le petit Nymphali. Voilà. Un petit peu spécial, qui est fort sympathique. Bon, bah voilà. J'espère qu'aujourd'hui, sur cette petite vidéo, vous a plu. En tout cas, pour moi, je me suis fort amusé à vous montrer ceci. J'espère qu'en tout cas cela vous a plu. Donc bah portez-vous bien, n'oubliez pas de partager, d'abonner si c'est encore pas fait. Et puis allez, à la prochaine. Allez, ciao ciao.